Obviously, we're in a situation right now globally where harm reduction is a contentious thing. We have lots of environments where just the term harm reduction is a problematic term. We have other environments where harm reduction is very much a fledgling thing. It's a new process, it's a new ideology in some kind of contexts, although of course some harm reduction discourse positions itself as being very pragmatic. A lot of harm reduction discourse is very much aligned with narratives of human rights and a respect for human rights, and specifically the right to the highest attainable standard of health. So in terms of what we're going to be hearing about today, we're going to be hearing about some harm reduction interventions and harm reduction processes that are very new, and what's happened in terms of those new processes and very new ideas, although maybe the harm reduction processes are few and far between. These new initiatives are very compelling and very important for us to learn from. We're also going to be hearing about some contexts where there's big opposition to harm reduction, and there's big opposition to interventions, initiatives, service and healthcare provision that's pragmatic, that focuses on human rights and services that respect the human rights of our communities and communities of people who use drugs. So in these contexts, we're going to hear about opposition to harm reduction and reducing harm reduction interventions. We're also going to be hearing a little bit about contexts where narratives of human rights and narratives of service and healthcare provision for marginalized, criminalized, and socially excluded communities, where those narratives are somewhat incompatible with historical narratives in these contexts. And so we're going to be hearing about the difficulties in terms of aligning human rights narratives and aligning narratives of the right to the highest attainable standard of health for marginalized communities, the difficulties of aligning those discourses and narratives with historically entrenched ideas. And we're also going to be hearing about service and healthcare provision in areas and contexts historically and contemporarily considered to be somewhat conservative, and how even in this sort of context of conservatism and increasing moves towards populism and this sort of thing, that harm reduction and a focus on service and healthcare provision and human rights and pragmatism can actually to some extent prevail. So I'm sure you all join me in welcoming our speakers, and enjoy the session. Bonsoir tout le monde, toutes et tous. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir. Je vais partager avec vous une expérience d'un pays parmi d'autres pays qui connaît une politique, un contexte socioculturel qui ne permet pas vraiment d'évoluer dans le cadre des politiques qui couvrent les droits humains et qui protègent les populations vulnérables. Le Maroc, avant 10 ans, on parlait plus de la réduction des risques, ni d'autres politiques qui prend en charge la population des usagers. Il y avait l'absence totale des politiques et stratégies liées à l'usage de drogue, l'absence totale des services spécifiques aux personnes ayant des problèmes avec l'usage. La seule prise en charge disponible, c'était au sein de l'hôpital psychiatrique, dans des conditions très vulnérables et inhumaines. Il y avait aussi le manque d'informations par rapport à la situation des usagers et au profil des consommateurs. Les seules données disponibles, c'était une seule enquête en 2003 qui avait pour l'objectif de mesurer le passage de la consommation de drogue de la phase donc occasionnelle à la dépendance auprès de la population générale marocaine. Il y avait aussi l'absence des données relatives aux épidémies, surtout le VIH et les hépatites liées à l'usage de drogue. Seulement en 2004, on a commencé à parler d'une initiative
donc pour des interventions spécifiques aux personnes usagères de drogue. En 2004, il y avait la création d'un centre médico-psychologique, donc qui est toujours au niveau administratif lié à l'hôpital psychiatrique, mais qui a développé une approche différente de prise en charge liée à l'usage de drogue, qui respecte de plus en moins les normes internationales de la réduction des risques. Cette expérience du centre médico-psychologique a permis de créer une association en 2006 dans l'objectif de soutenir le travail qui se fait au sein du centre médico-psychologique et de permettre l'accès du maximum des personnes usagères de drogue à ces services. C'était l'association Hasnouna de soutien aux usagers de drogue qui a été créée en 2006. Et elle est considérée comme la première initiative de la société civile marocaine. C'était une volonté d'aller au-delà des préoccupations liées à la santé mentale et permettre une prise en charge fondée sur la santé publique et les droits humains. Donc, à partir de décembre 2007, l'association Hasnouna a pu mobiliser le ministère de la Santé en premier lieu et d'autres partenaires pour développer le premier programme d'échange de seringues à Tanger. Donc, elle a permis d'avoir une structuration de l'intervention de la réduction des risques à travers une unité mobile de prise en charge et centre d'accueil au sein de Hasnouna. Cette expérience pilote a démontré la faisabilité et l'acceptabilité d'une approche de réduction de risque dans un contexte marocain. Donc, cette expérience a conduit les décideurs au niveau national et les principaux partenaires d'adopter l'approche réduction des risques et à définir, à partir de 2007, un cadre d'intervention nationale étalé sur la période 2007-2008 avec un plan national d'action de réduction des risques 2008-2011. Bien sûr, ça a commencé l'ouverture de 3 centres de traitement de substitution à la méthadone au niveau de Tanger, Salé et Casablanca. L'expérience Hasnouna et l'évaluation qui a été menée en 2012 par le ministère de la Santé et les résultats positifs qui ont démontré l'utilité des interventions de proximité auprès de la population des usagers de drogue, donc cette expérience à encourager les décideurs au niveau national et les partenaires techniques et financiers marocains à étendre le dispositif à d'autres régions, surtout sur le nord du Maroc, considéré comme un site prioritaire parce que le taux de consommation de l'héroïne surtout est concentré au nord du Maroc, au niveau de Tanger, Nador, Houssima et Tétouan. À l'initiative de l'équipe de Hasnouna, il y avait la création d'une association nationale de réduction des risques qui travaille actuellement sur les huit sections au niveau national. Hasnouna, à partir de 2012, a changé le nom. Au début, c'était Hasnouna de soutien au centre médico-psychologique. Actuellement, c'est l'association Hasnouna de soutien aux usagers de drogue. Les ONG ont réussi à convaincre le ministère de la Santé et les autres partenaires à assurer un financement pour la mise à l'échelle des programmes de réduction des risques au niveau du Maroc. Aujourd'hui, le cadre stratégique et opérationnel de la réduction des risques s'organise autour de 7 interventions principales. Il s'agit de l'accès nécessaire des personnes usagères au matériel de consommation, que ce soit fumé, sniffé et injecté, mais malheureusement, seulement le matériel de fume
et de l'injection qui est disponible au Maroc. La prescription au traitement de substitution à la méthadone, le seul traitement de substitution disponible actuellement au Maroc, l'accès et dépistage et traitement des personnes séropositives, traitement et dépistage des hépatites, il y a aussi le changement des normes et de la culture au sein des communautés des usagers de drogue par la création des groupes d'autosupport. Et il y a aussi donc tout ce qui est appui psychosocial et programme d'insertion professionnelle étalé au niveau national. Et aussi donc il y a le changement de représentation sociale liée à l'usage de drogue et la défense des droits des personnes usagères, surtout les femmes qui sont double stigmatisées en tant que femmes ou en tant qu'usagères de drogue à travers des plaidoyers menés au niveau national. L'offre des services de réduction des risques au Maroc, résumée dans les 7 composantes, est offerte dans 3-4. Il y a des programmes bas seuil d'exigence gérés par les associations. Il y a des centres d'addictologie gérés par le ministère de la Santé. Il y a bien sûr les relais et structures de dépistage VIH gérés par les associations et par le ministère de la Santé. Cette expérience de 10 ans a nécessité, dans le cadre de la mise à l'échelle des programmes RDR, plus de ressources humaines au niveau des structures gérées par les associations et par le ministère de la Santé pour arriver à assurer les services dans le cadre du plan stratégique national, ce qui a poussé le ministère de la Santé avec les partenaires à créer un centre de ressources et formation au niveau de Tanger, dont le rôle est de mettre à l'échelle et en quantité, en qualité, les interventions et les services dédiés aux usagers de drogue, l'harmonisation des principes et des modalités d'intervention des programmes RDR, la diffusion de l'approche de réduction des risques au niveau de la région et aussi la mobilisation des acteurs locaux et des cédeurs pour la création d'un environnement favorable aux interventions de la RDR et la promotion des droits à travers le plaidoyer. Actuellement au Maroc, on a plus de 2500 personnes qui bénéficient du traitement de substitution à la méthadone dans le cadre de 5 programmes méthadone. Environ 10 millions de personnes bénéficient des programmes d'échange de seringues et d'appui psychosocial, 7 centres d'accueil bas seuil et des unités mobiles. Environ 5000 personnes bénéficient des programmes d'insertion professionnelle. Le plaidoyer sur l'accès des personnes usagères à leurs droits au niveau de Tanger a contribué à l'amélioration des conditions de vie des usagers. Actuellement, donc les arrestations résultant de la consommation ne sont plus au niveau de Tanger. Les personnes incarcérées ont accès à la méthadone, même au sein des prisons. Au-delà du Maroc, aujourd'hui, le Maroc figure comme pays particulièrement avancé dans la mise en œuvre des programmes de réduction des risques au regard des standards régionaux au niveau de la région MENA et aussi au niveau de la continent africaine. Le centre de formation de Tanger est aussi conçu comme une plateforme régionale pour le renforcement des capacités en RDR, plein de pays, nos collègues au niveau de la Tunisie, le Sénégal, la Libye, viennent au Maroc pour assurer une formation théorique et un stage pratique sur le terrain. Malgré ces résultats, malgré l'effort qui a été mené par les ONG et les militants de la société civile, le programme de réduction de risque au Maroc donc, fait donc objet de plusieurs difficultés et défis. Donc, il y a vraiment l'insuffisance des ressources humaines dans les pôles médicaux sous la responsabilité du ministère de la Santé. Il y a les listes d'attente de la méthadone qui dépassent les 1000 personnes dans les 3 villes au niveau du Nord, Tanger, Tétouan et Nador. Il n'y a pas l'accès des usagers
aux mesures de réduction des risques au milieu carcéral. C'est un programme qui vient d'être lancé. Il y a un enjeu de financement des interventions de réduction des risques à moyen et à long terme. Il y a un taux de mortalité lié aux overdoses, surtout au niveau du Maroc, là où il y a la consommation des opiacés. L'analoxone au Maroc n'est pas disponible. Le taux des hépatites est très élevé auprès de la population des usagers de drogue. Elle dépasse les 82% au niveau du Nador, les 54% au niveau de Tanger. Il y a un manque de traitement et l'accès des usagers au traitement des hépatites. Il y a aussi l'évolution du cadre légal sur la consommation de drogue au Maroc. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai réussi à vous donner une image sur le programme de réduction des risques au Maroc. Merci.